Tchou bonjour à tous c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue pour votre petite pour votre dire votre JT du Geek, pas du tout pour cette vidéo du dimanche alors oui aujourd'hui vous ne me verrez pas je serai uniquement en voix off pourquoi plusieurs raisons un je me suis fait euh... il y en a qui vont dire nouveau pays nouvelle maladie c'est un peu ça, hein. voilà. Des... Ou je sais pas, voilà. j'ai une, une infection à l'œil, mais bien, bien comme il faut. Hein. C'est à dire que j'ai l'œil injecté de, de vaisseaux sanguins et tout, c'est dégueulasse. J'en suis à mon deuxième jour d'antibiotique, donc il a dit il en faudra au moins quatre avant que ça revienne à normal. Je ressemble un peu à un lapin albino sur lequel on fait des essais de maquillage, donc pour vous dire, c'est pas terrible. Voilà. Après peut-être que je sais pas c'est euh, une étape de ma transformation en chinois et que du coup le sable tout ça voilà les yeux bridés on ne sait pas voilà. après bon bah, vous ne verrez pas aujourd'hui après je sais que beaucoup ne regardent les vidéos que pour mon physique il n'y a pas que le physique dans la vie voilà, donc il faudra vous passer de, de moi aujourd'hui et puis avoir uniquement le son de ma voix ça fait un peu podcast j'ai prévu des illustrations tout au long de tout ça voilà après voilà bah, j'espère que vous ne regardez pas que pour mon physique vous regardez aussi pour le contenu sinon bah tant pis voilà Allez, on commence le premier sujet. Je mets le timer en bas dans la description pour ceux qui voudront directement aller au sujet qui les intéresse. Une 12 AWS GLG, des vidéos, voilà. Bon ben bah, je mets des vidéos euh, tous les jours. Attends, je vais aussi ça des vidéos FR tous les jours. Tous les jours. Bon, je vous cache pas qu'en ce moment euh, je joue plus le volume que la qualité. Après je m'en cache pas hein. Encore une fois, je peux pas tout faire. <laughs> J'essaye, hein. J'essaie, mais je peux pas tout faire. Voilà. Je Les reviews, j'en ai ras la gueule. <laughs> Évidemment. Comme à chaque fois, dès que c'est un peu calme, je prends tout et après, voilà. Euh, je travaille là-dessus, je travaille également avec la chaîne de Cathy euh, en anglais. Voilà, j'essaie de relancer les vidéos, tout ça, tout ça. Plus les projets à venir, tout ça, tout ça. Voilà, les tipeurs sont au courant. Donc ben voilà, donc je fais de la qualité. Après c'est m'a dit oui sur GLG vidéo aussi. Bon bah ben, c'est des shorts, c'est des shorts en mode IA. Bah ben, ouais, bah ben, c'est pas toujours. Des fois c'est miraculeux, puis des fois ça l'est pas. <laughs> Souvent ça l'est pas. Des fois ça J'ai une vidéo sur WTS en short qui a fait 9000 et quelques vues, un truc de dingue. Mais moi euh... Vous savez que je peux trouver GG vidéo Images, vidéo. Si je fais comme ça, faut pas... on peut pas j'ai un short qui a fait euh... what's the stuff qui a fait 9000 et quelques vues. Moi-même, je croyais pas, mais... Mes le short, il arrêtait pas. Après, c'est peut-être parce qu'on voyait le cul de Cathy. On hein. avait 10 000. Ouais, fait 10 000, mais oui, parce que regardez, est... pendant euh, la montagne, je suis Cathy. Donc, bah forcément, euh, avec son truc moulant et tout, euh, voilà. 10 000 vues. <laughs> voilà. C est, c est pour vous dire. voilà. Après euh, les Bouddhas et tout, c'est bien aussi, hein. Tu vois, mais ça fait 300 vues. <laughs> voilà, voilà. Comme ça, vous avez une idée un peu. <laughs> vous dans sur YouTube. J'ai même vu, je suis une, euh, une chaîne Instagram qui s'appelle Rider Machin. Au début, c'était de la moto machin. Après, il a commencé à mettre des meufs sur les motos, et là, il euh, y a plus de moto. Il <laughs> n'y a plus que les meufs, tu sais, qui montrent un peu leur, leurs atouts, qui, tu sais, un peu en mode prank et tout, voilà. Voilà voilà, vous voulez faire de l'audience, euh, comment euh... pourtant c'est bien les bouddhas et tout là, il y a des choses super intéressantes, mais celle-là, au milieu, fait 10 000 vues, Voilà, voilà, voilà. Donc bah voilà, je joue le volume, encore une fois. Donc je fais, en fait, quand j'ai préparé, je vous explique un peu, quand j'ai ma vidéo WTS, je la mets dans Opus Clips, parce que j'ai pris un abonnement payant pour découper un peu... Euh... Mes, mes vidéos en short, je regarde le nombre de shorts qu'il y a. J'en mets environ deux par jour pour jouer un peu le volume, puisque mine de rien, bah, ça prend de l'abonné. Hein, pas se mentir, le short ça prend de l'abonné. C'est de la clientèle short, mais euh, c'est du vrai abonné quand même. Donc euh, on prend. Et puis bah, voilà, après, forcément, il y a forcément des retombées parce que sur les shorts, il y a des gens qui s'abonnent et qui sont en fait, ça spoil un peu la vidéo qui va arriver. Donc bah, si ça les intéresse un peu. Notamment euh, ma vidéo qui a fait 10 000. Voilà. Quand ça, on dit, oh là là, c'est bien, hein, j'aimerais bien avoir plus qu'une minute. Ils savent qu'il y a la vidéo complète qui arrive. Donc, forcément, voilà, encore une fois, c'est euh, une stratégie euh, YouTube-esque. <laughs> Je ne sais pas si c'est la meilleure stratégie du monde, mais papa, il tente des choses à défaut euh, de se laisser aller. Euh, qu -ce que ça veut dire, donc voilà, et ben quand, en fonction du nombre qui me met, j'en mets deux par jour, et puis il ben, y a des vidéos, des fois elles sont longues, j'arrive à tenir 10 shorts, donc je fais cinq jours, des fois j'arrive à un peu plus, comme ça, tout ça. Alors là on est encore sur les vidéos de Rachel Murray que j'ai fait au mois de février, pendant le jour de l'an chinois. En Thaïlande, rien. Il y a un jour, je crois, je suis allé à Coco Park, j'ai 10 vidéos à vous mettre. Donc, euh, il va y en avoir une baradée sur la Chine. Donc, pareil, hein, moi, je les enquis comme ça. Hein. Voilà. On met, on regarde combien il y a de shorts, j'en mets deux par jour et au moins un maximum 5 jours. Et après, je mets une vidéo WTS, etc., etc. Donc là, on, a, on va écumer Ratchaburi et après, a... on commencera avec les vidéos en Chine. Je vais en mettre un peu sur GLG vidéo parce qu'il y a des vidéos que j'ai fait un peu intéressantes, j'ai vu des trucs. J'essaierai de les mettre sur les deux chaînes. Je vais voir comment je peux gérer un peu ma vie, mais j'ai déjà pas mal, pas mal de contenu. Et puis quand je retournerai en Thaïlande au mois d'avril, voilà, donc là je on refera du contenu, mais là voilà, là après, à partir du mois d'avril, c'est fini le, le volume, on joue la qualité. Qualité, montage, tout ça, tout ça. On va essayer de faire un peu moins, mais un peu mieux. Pas gagné, mais euh, on va faire ce qui va. Allez, on continue. Sujet suivant, 5-17. 5-17. Je vous le rappelle, je Non, non mais en fait, c'est parce que j'étais fatigué. Donc, je suis allé en clinique et tout. J'étais fatigué depuis trois jours. Et je vais l'œil qui l'œil un peu rouge. Et je dis mais je, je crois que le monde c'est une espèce d'infection. Euh... Et c'est pas viral, mais presque, toi. Et il me dit, bah voilà, donc ça s'injecte dans l'œil. En fait, ça sort par là, ça sort par l'œil. Il y a que, en fait, on se voit que tu parles. Moi, j'étais fatigué, mais bon, après, ça arrive encore une fois avec le La différence de climat et tout. Ça arrive souvent. Puis quand j'étais jeune, je me foutais des vieux en disant, ils sont toujours malades. Maintenant que je suis un peu plus vieux, je me disons de la chance, c'est jeune. <laughs> voilà, voilà. Vous serez tous dans le même cas que moi. Vous êtes tous vieux. Euh... <laughs> Revenons-en à nos moutons. Et euh, voilà donc je suis fatigué. Et après, bah, là, je vais, je Mais suis... c'est normal. C'est une espèce de viral, machin, toi. Donc il faut prendre les antibiotiques. Ça ne partira pas tout seul. Des gouttes et <laughs> des antibiotiques. Ah oh, putain, euh, j'étais à deux doigts d'avoir des suppôts Bon, allez, on... <laughs> Pour réparer l'œil. Euh, bah oui. Parce que quand on se tire un, un poil du cul, ben, bah on a l'œil qui pleure. Donc, c'est bien qu'il y ait une connexion entre les deux. Bon, je vous rappelle, pour ceux qui voudraient éventuellement me suivre sur Tipeee, vous pouvez soutenir l'aventure sur Tipeee. Ça coûte minimum un euro pour le mois en cours. Et vous avez accès à toutes mes news avant tout le monde. Cette semaine, donc, si vous allez là, vous allez avoir les news et vous allez avoir bah, un petit peu de blabla. Là, et la vidéo qui va tomber, évidemment, demain. Voilà, la vidéo qui va tomber mercredi, j'essaie de ne pas vous donner plus d'une semaine, et les vidéos qui vont arriver la semaine prochaine, voilà, j'en donne un petit peu, ça fait plaisir, et puis bah, ça permet, vous n'êtes pas nombreux avec 22, si voilà. vous voulez me soutenir, c'est euro vous pouvez faire 1 un euro un, une fois, et après on n'en parle plus, ou faire un renouvellement, à un euro par mois, ça ne me paraît pas beaucoup, et moi vous avez vraiment les news avant tout le monde, ça m'évite de surcharger un peu ce... Qu ce que je veux dire ce, 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 ce live, par exemple. Ok, et on attaque directement le giveaway euh, 7.14, pas mal. Et je vous rappelle, comme tous les dimanches, je fais un petit giveaway, ça veut dire... 14, c'est pas 17. On euh, marque si on était arrivé à 17. Je vous rappelle, tous les dimanches, je fais un petit giveaway, ça... si vous laissez un commentaire en dessous de mes reviews sur GLG Review et que vous mettez, par exemple, le nom de la marque, par exemple pour la vidéo de DJI Mac 2, vous avez mis DJI dans votre commentaire, le dimanche, je fais un random, je regarde votre commentaire, si vous avez bien mis DJI dans votre commentaire. Je vous mets vous avez gagné un chèque cadeau. Vous m'envoyez votre mail, j'envoie votre mail à Amazon, Amazon vous envoie un chèque cadeau. C'est plutôt facile, voilà. Et aujourd'hui, on a deux vidéos, on a DJI Mike 2 et PDF éléments. On sent deux reviews où vous n'en aviez rien à branler. Hein. Autant le new Green, on avait fait 117, le tap on voit, on voit hein, les vidéos. Euh, bah, quand c'est du smartphone, ça marche bien, mais euh, dès que c'est plus du smartphone, euh, tant que Mini, on a fait 160 commentaires. Dans là, 100, 100, 100 227 pour la tapo, comme, comme quoi. Ça arrive, il y a des miracles. Pas tout le temps. Hein. 432, c'était quoi Ah oui, c'est le nom magique, forcément. Voilà, là, on sent que vous rien branlé. Donc voilà. 64 commentaires. Donc ce sera facile pour les gagnants. Encore une fois, alors là, je veux dire, vous n'avez jamais eu autant de facilité à gagner un chèque cadeau. Je sais que la semaine dernière, c'était ce même celui C'est le même gagnant que la semaine d'avant. Alors, vous pouvez gagner qu'une seule fois par dimanche, bien évidemment, mais vous pouvez gagner tous les dimanches. Donc, je sais qu'il y en a. Il y en a qui ont trouvé un filon là. Ils se sont dit, hé hey, les mecs, vous ne pas mettre de commentaires. Ils viennent, ils mettent un commentaire. Il y en a un, ça fait deux semaines d'affilée qui repart avec un chèque cadeau. Et là, et franchement, je crois qu'il est en train de regarder la vidéo. On se de se dire Allez, jamais de temps trois. Je ne hein. ben, sais pas. 64, allez, 64 pour la première vidéo. Donc là, comme je réponds à tous les commentaires, ça vous fait 32. Encore une fois, on met un petit random. Le gagnant, c'est le 31. Donc on va dire l'avant-dernier. Encore une fois. Donc le dernier, c'est lui. L'avant-dernier, c'est. Pierce, uh, il est pas donné quand même ce DJ Mac de moi. J'ai payé mon micro cravate 35 euros, une réduction de bruit, mais uh, voilà, il est pas top. Ouais, bah, forcément 35 euros, pas déconner. Bien. Uh, donc là, je réponds, je dis voilà, tu es notre gagnant. Je rappelle, tu réponds, euh, tu m'écris sur soit dans à propos là sur la chaîne, soit dans admin a d m -N, @gt en disant hey salut, c'est moi le gagnant. Tu me fais un petit screenshot de ton commentaire pour bien prouver que c'est ton commentaire à toi. Et surtout sur quel produit tu as gagné. Et en fait, dans ton mail, tu mets bien ton mail Amazon. Le mec répond à ton compte Amazon. J'envoie ton mail Amazon. Amazon, ton le cadeau. Alors, euh, je ne suis pas hyper rapide. Hein. Souvent, euh, à la fois, j'ai reçu euh, trois fois envoyé des mails sur toutes ces boîtes et tout. C'est juste que j'ai pas eu trop le temps. Mais euh, voilà, ne vous inquiétez pas. Euh, je, je, je arrive plus. mais arrive plus, je vois plus. J'ai un bras qui part en couille. J'ai un œil qui part en couille. et J'ai une couille qui fait de l'œil à mon bras. Je, oh, voilà, bon on va pas revenir là dessus c'est un autre délire euh, qu'est ce que je voulais dire ok tac ici je on... sens qu'il y en a encore qui sont sur bah vous mettrez un replay vous, vous mettrez un replay. je l'avais préparé je voulais la placer je sais pas quand celle là mais euh, voilà c'était maintenant <laughs> par par en couille <laughs> bah, <vraiment>. ouais, Ok, <laughs> je vous laisserai mettre le replay et puis bah, ça vous permettra de faire une vue de plus. Du plus en plus. Euh... <laughs> il est fort, hein, ce GSG. Oui, mais je les prépare. Je prépare des petites punchlines comme ça, tu vois, à l'avant. Mais il y en a plein hein, dans l'émission. Après, euh, il faut que pour vous, ça soit votre, votre moment de détente préféré. Alors là, on est à 42. C'est bon, on a, on a gagné. Gagné. Ici, PDF éléments... Donc on est bien sur 42, j'ai bien copié-collé le commentaire, OK. Donc 42 ça fait 21. OK, donc là on génère 15. 15, OK, facile. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15. Et le gagnant c'est en dollars et en promo à 47 euros, c'est pas mal. T'as failli gagner. Donc je rappelle les règles, c'est pareil toutes les semaines. Hein. J'invente pas les règles à chaque fois. Si c'est pas lui qui gagne, on prend le commentaire suivant, ok. Et là, lui, il a juste mis Wondershare. Et ben, écoute, ça te permet de gagner. Bravo, bravo surtout à, à Daganden qui bah, déjà nous remet la promo. C'est sympa, mais les règles du jeu sont les règles du jeu. Hein. On peut pas certains croient que je les modifie à chaque dimanche, non. C'est les les règles, les règles sont claires depuis le début. Voilà. Donc si c'est pas lui, c'est le commentaire d'après, vous pouvez gagner que ce soit par dimanche, tout ça, tout ça, pas. C'est tous les dimanches pareil, après c'est pour ça que je ne répète pas à chaque fois. Donc tu as gagné en mettant juste Share. Comme quoi, il oui, n'y a même pas besoin de dire c'est trop bien cher Oh j'aime pas, ou c'est trop... Bah, après, mais après vous mettez bien, pas bien, je m'en fous, moi, c'est juste, il faut mettre Wondershare. Ouais, vous mettez bien toute votre vie, et là c'est 10 balles. Alors, normalement, on avait dit que plus il y avait de chèques cadeaux, plus on gagnait. Alors, on devrait quasiment leur donner 5 balles. Clu dubois Jean-François. 216, gmail.com Presque, hein euh, On doit pas être loin, on n'a pas du loin de ça. Hein Moi je dis je tenterai le coup de clubo Jean-François, 28 2816, je mettrai gmail.com Je suis sûr que ça arrive chez quelqu'un. <laughs> les pseudos. Voilà. Bon ben bah, voilà. Donc prochain tirage au sort, ça sera donc semaine prochaine pour le tank 3 Pro. Je vous donne un peu un peu spoiler, même si vous n'êtes pas tipeur. Les tipeurs, ils ont les vidéos de la... En fait, les tipeurs, ils ont toutes les vidéos du mois. Et il y en a plein. Et il y a des trucs trop bien. On a failli avoir... J'ai pas encore fait. Je dois avoir un placement de, de review... Euh... Attends, bon, attends, on va passer au sujet suivant. Non, J'avais un placement de... de produits à faire pour... Vous savez, un pré-roll pour euh, Davinci. Alors, Davinci, Vinci a un placement avec un Windows. Moi, j'utilise Mac, machin. Pas bon. Moi, c'est un peu chiant. Mais ça m'arrangeait bien parce que je voulais le me mettre sur l'enceinte euh, UB ⁇ Et l'enceinte UB ⁇ je vous spoil un peu comme ça. Prenez l'enceinte de Vialet. Vous la mettez en plus petite, c'est ça. On ouais, mais on en plein sur Aliexpress, c'est de la merde, ça vaut rien. C'est pas le genre de la maison. Si je vous fais une GG Review sur la UB, c'est que prenez la même, divisez le prix par 3 ou 4, la puissance aussi, bien évidemment, mais ça envoie un peu du sautec. Voilà, tout ça, c'est sur Tipeee, vous n'avez qu'à y aller, 1 euro par mois, ça va. Hein voilà, bon. Euh... Et puis c'est bon, bah voilà, on a fait les gagnants. Pas mal. Ok, allez, on continue les sujets du jour. Euh... 1352, on va mettre 14, parce qu'on n'a pas le temps que papa il écrive là-dessus. Il sera au moins 14. 1, 2, 3, 14. Voilà. Je <laughs> même plus compté le point. Allez, le petit sujet du jour. Euh, C'était quoi Pourquoi les avions de Bangkok vers Moscou font-ils escale à Shenzhen Alors, je suis reparti à Shenzhen le 1er mars, parce que je vous dis, j'ai passé le jour de l'an chinois. En Thaïlande, c'est quand même beaucoup plus sympa. Il n'y avait rien à faire en Chine, en plus. Et je suis reparti le 1er mars, et j'étais étonné, dans l'avion, il y avait plein de Russes. dans Normalement, il y a que des Chinois, un peu thaïlandais, ou des mix un peu comme ça, mais pas mal de, de Russes. Donc, bon, ça m'a étonné, sans plus, parce que, comme maintenant, en fait, on, ils peuvent euh, ils aller <laughs> nulle part, en gros, sauf certains pays, je me suis pourquoi pas Après, après c'est peut-être pas que des Russes. Et, évidemment, dans l'avion, à côté de moi, quoi Deux Russes <laughs> Monsieur, Madame, et les vrais, hein. De, de là-bas, euh... <laughs> <c> tout, <laughs> tout euh, je m'y connais. Ma première femme était russe, hein, donc je peux vous dire. Et mon gamin, il est à moitié du coup, donc euh, n'y voyez aucune, mais c'est les vrais. Voilà, bien au bon point, bien russe avec elle. C'est euh, l'attitude, tout le physique, l'attitude, tout hein, les vrais de vrai de là-bas. Mais bon, parents tu vois, non, mais ma, ma, la grand-mère, la mère de la grand-mère, du coup, de mon fils à la pluie de Marie, mais en euh, on, on a vu un peu comment ça se passait. Donc, donc étaient à côté, donc je dit, ah, vous allez à Shenzhen, oui, oui, euh, mais il me dit on va pas à Shenzhen. On fait escale à Shenzhen et après on va à Moscou. Alors je lui dis, ah bon Je dis mais vous faites escale dis, Oui, en fait l'avion pour aller à Moscou, Bangkok, Moscou, ils ont une escale à Shenzhen. C'est-à-dire qu'ils changent l'avion entre les deux. Je dis, bon Ça me paraissait quand même un peu bizarre. Je ne cache pas, pas l'angoisse à arriver, parce qu'en fait, on est arrivé aux douanes. Normal. Donc, euh, moi, je sais quand tu arrives aux douanes, à gauche, faut remplir un papier. N'importe quelle terre, il faut faire un papier d'entrée. Et eux, ils étaient tous en train de faire la queue pour passer la douane. Je disais, oh bah, bah, ils vont à Shenzhen. <laughs> voilà. Donc là, je fais le papier. Et puis après, comme ils m'ont tous vu remplir mon papier, ils sont tous venus <laughs> remplir les papiers. Donc, ils ont commencé à remplir et tout. Et après, il y a quelqu'un qui est venu les chercher, qui leur a dit non. Vous, c'est une escale. Il faut attendre sur le, le côté là. Ils vont venir les chercher et ils prendront un avion pour Moscou. » Moscou. La première anecdote qui m'a bien fait rigoler parce qu'ils allaient tous passer la douane pour aller euh, ils se retrouver dans Shenzhen, pas voilà. enfin, dans le côté Shenzhen. Et après, je sais pas pour revenir à leur avion. Enfin, voilà. Bon, heureusement, ça gère. Donc, euh, je leur demande et après, donc du coup, je me renseigne et je, euh, je me renseigne et puis on arrive en Chine. Puis je regarde un peu sur Internet et tout. Puis je dis, mais pourquoi? Les avions passent de, par Shenzhen. Alors il y a pour ça, il y avait deux réponses qui ont été trouvées non seulement par les IA, Google et tout ça, tout ça. C'est que un, en fait, il y a pas mal de pays qui n'autorisent plus le survol des avions russes. Voilà. Donc euh, une des lignes qui paraissait un peu cohérente, bah, c'est de comme les, la Chine et la Russie ont une, une, une merde, une frontière commune, c'est que du coup, Thaïlande, hop, montait directement jusqu'à jusqu'en Moscou. Et euh, Moscou, après d'aller. Euh, non, ben, putain, de Bangkok, d'aller jusqu'à Shenzhen, puisque c'est ma ligne. Voilà, c'est que de l'eau. Après, même si c'est pas sur Hong Kong, il n'y a pas de souci, encore une fois. Et après, donc, du coup, de Shenzhen, aller à Moscou. Voilà. La ligne paraît un peu cohérente. Et je me suis dit, ouais, en même temps, si le survol est un peu limité, c'est la route. Voilà, il n'y a pas de raison. Deux, euh, en regardant un peu, apparemment, il y a des grosses, grosses taxes d'aéroports à Bangkok pour euh, pour des compagnies et surtout pour certaines compagnies alors pour ça c'est pas très très clair sur internet il y en a certains qui disent c'est euh, cher pour les compagnies russes et certaines compagnies qui sont un peu euh, acceptées nulle part quoi c'est-à-dire que les avions russes ils ont le droit d'aller nulle part mais voilà les pays euh, la thaïlande l'indonésie la malaisie je crois la turquie aussi je crois euh, voilà ces pays là ça va ils ont le droit d'atterrir donc apparemment euh, l'aéroport de Bangkok aurait dit bon bah ben, vous pouvez euh, chez nous pas de problème <laughs> par contre euh, <laughs> comme personne veut de vous euh, voilà quoi <laughs> nous on veut bien mais euh, va falloir euh, hein va falloir être un peu euh, compatissant hein patriote <laughs> un peu tavalé, tu vois euh, donc j'ai lu ça pareil puis après je me suis dit bon il y a aussi peut-être certainement ben, ces douane là qui font un surcoût entre les avions directs entre Bangkok et Moscou et entre Bangkok, 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 ah ouais, Bangkok et Moscou, <laughs> c'est ça. Entre Bangkok, je suis sous antibiotiques, j'ai le droit. Entre Bangkok et Moscou, il euh, y a peut-être aussi comme bah vous en fait, hein, pour faire Paris Nice, faut passer par Dubaï maintenant. Hein tout le monde le sait mais voilà le fait que vous, vous passiez automatiquement par Dubaï parce que les avions à Dubaï Dubaï vous allez ailleurs que eux, ils fassent une ligne Bangkok Shenzhen Shenzhen Moscou peut-être que c'est une ligne qui est forcément beaucoup moins chère économiquement et comme les douanes sont épongées par les Chinois quelque part et que les Chinois bah, eux ils n'ont pas de malus pour faire Bangkok Shenzhen voilà et qu'après bah, c'est plus intéressant de faire Shenzhen Moscou peut-être que là ils ont des accords qui sont différents donc j'étais assez étonné voilà, de voir autant de russes dans l'avion pour la chaîne Z. C'est pas l'habitude, hein. généralement, euh, j'ai souvent que des Chinois euh, bien rustres aussi. Hein. Euh, je peux me moquer un hey, Je peux me moquer un peu des Russes, j'étais marié avec une russe. Je peux me moquer un peu des Chinois, je marié avec une Chinoise aussi. Et voilà, des bons. Euh, voilà. C'est eux d'abord, hein. C'est quand à l'aéroport. Les pas arrivent, tu fais la queue, pas ben, la boum, te mets un coup d'épaule là, et tout le monde passe. Bon, bah, après, toi, tu es police, excuse-moi. Douai qui ça veut dire, excusez-moi, en chinois, je crois qu'il y a que moi qui connais ce nom. Je crois que même les chinois, excusez-moi, il n'y a pas. Ça n'existe pas. Donc, ça arrive, ça bouscule et tout, ça parle fort. C'est pas Voilà. C'est les, les plaisirs, les plaisirs du voyage international. Donc, voilà un petit peu. Euh petite anecdote et pourquoi. En vrai. Après, un petit, un petit sujet putaclic, une petite vignette un peu sympa. Alors vous avez vu, je, je travaille de plus en plus mes vignettes. Alors, euh, on m'a fait la remarque en disant que mes vignettes sont... pas toi encore pas... C'est pas encore ça, hein, tu vois. Mais de mieux en mieux. toi, par rapport à avant. Et il est clair que plus j'en fais, plus j'apprends un petit peu. Je vais voir la prochaine, celle de mercredi, parce que je l'ai mis là. Voilà. Pourquoi elle attire de nouveau les touristes en 2024 Voilà. Alors euh, pareil, fake de l'IA. Or, le problème, c'est que les écritures avec l'IA, c'est de la merde. Donc, je suis obligé d'effacer, de remettre. Mais avec Canva, euh, ça va. Avec Canva, tout va. C'est ça. Appelez-moi, je fais du marketing. Et avec Canva, appelez-moi, je fais du marketing. Puis en plus, maintenant, je fais les bannières, en plus. Hein. Ça ne marchera jamais. Ah putain, entre le physique et euh, les techniques commerciales, il n'y a rien pour lui. Hein. Bon, ben bah, voilà. Donc, c'était la petite anecdote du jour. Donc, prochaine vidéo, GLG vidéo, tombera mercredi. Celle-là, elle est prête, celle-là, je l'ai faite dans Shenzhen. Ma... Je me suis dit, tiens, je vais la faire en même temps, dans ma journée et tout. Je vais la faire. Et puis, je voulais la mettre dans WTS. Mais en même temps, il y a les deux. Il y a la partie que je voulais faire et un peu de WTS. Donc, je la mettrai sur GLG vidéo Comme ça, vous verrez ça. Et le truc que j'ai découvert dans un mall qui est incroyable. Vous allez, vous allez voir à la fin de mercredi, c'est-à-dire que euh, je parle du truc. Et au milieu, je vois un truc. il faut que je rentre. C'est trop incroyable. Je suis rentré. C'était vraiment trop incroyable. Vous <laughs> ne pouvez pas en voir vos yeux, moi non plus. Je... Tout, rien est rien dans le truc. Et, euh, et après je suis sorti, j'ai fini ma vidéo, donc ça fera une vidéo pour GLG Vidéo. Et cette vidéo, je la réuploaderai sur WTS avec un autre titre, une autre bannière, plutôt. Ah euh... Voilà, vous comprendrez mieux la vidéo de mercredi. Sans vouloir vous spoiler. Et puis voilà, ça sera tout. Vidéo demain, vidéo mercredi. Pas. D... Alors il devait y avoir une vidéo aujourd'hui, mais elle est reportée. J'ai mis C'est pour ça que je suis infecté de partout, là. J'ai mis les bouchées de tripes. J'ai fait... fait plein de vidéos à faire. J'ai tout fait. Tout est. Blackview, aujourd'hui. Ah, aujourd pas, oh, bah non, samedi, euh, fini, ça vous arrangerait mieux. Si de dimanche, je peux apporter à lundi prochain. Donc c'était d'aujourd'hui. Et c'est pas demain lundi, c'est lundi, de la semaine prochaine. J'ai dit, bon, bah c'est pas grave. Il y a pas mal de trucs. Trois, aussi, il me dit, il n'y a pas. Non, il me dit, c'est parce qu'ils l'ont déjà fait avec un autre youtubeur, Donc là, ils n'ont pas trop le temps de s'occuper. Et Ako, qui m'a envoyé leur nouveau clavier qui pèse 20 kilos m'avait euh, bah, envoyé quand avec il me disant on va vous envoyer des touches, touches Azerti. Donc là j'ai retourné les touches Azerti mais blanches sur un clavier noir. Bon, le clavier il est trop stylé. Lui je, je vais le garder parce qu'il est incroyable, vraiment. Là ce coup-là, euh... <laughs> ce coup là le clavier, waouh, wow, ça je l'ai vu, je fais... Ah ouais, hein, on en est là, je veux dire, Cyril est P4, euh... accroche-toi, j'ai hein, GLG, il arrive. <laughs> Pas du tout. Qu'est-ce que je veux dire Donc j'ai Et après, j'ai dit, mais oui, il y a un problème. Non, non j'ai alors c'est pourquoi Elle me dit, bah c'est pas pour tout de suite, parce qu'en fait, les youtubeurs en France, eux, euh, ils n'ont pas reçu les touches. <laughs> dis moi c'est facile, puisque bah, de Chine à la Chine, ça met, euh, des fois, c'est le matin à l'après-midi, voire dès là matin, euh, toi, ça met deux trois jours. Elle me dit en France, ils n'ont pas encore reçu les touches avertis tout ça, tout ça. Donc, comme dit la review. Voilà. On a, donc, donc là, toutes les vidéos qui sont programmées, je vous les ai mis sur Tipeee. Encore une fois, et il y a du très très bien. J'en rappelle, j'ai les micro larges que vous voyez dans les revues de la semaine et tout. Trop bien, hein, les micro larges. Bon, il y a toujours un petit effet. Euh, de... Parce qu'en fait, comme je fais des pauses pour lire un peu mon script, savoir de quoi je vais parler, euh, le micro, il augmente le volume, toi, pour essayer de me capter un peu comme un téléphone. Et donc, du coup, quand je parle, le niveau est un peu haut. Donc, il faut juste que je résolve, résolve ça. Et sur euh, JT Geek, je crois, je vous ai parlé du support, qui est le support que j'ai acheté. Voilà, pour mettre l'Insta360, parce qu'en fait, au lieu de filmer avec la Sony qui ne fait pas d'autofocus, il faudrait cliquer dessus, tout c'est chiant. L'Insta360, Ace Pro, parce qu'on m'a fait, fait la remarque en disant, ouais, mais enfin, on la différence entre l'Ace et l'Ace Pro. Alors comme moi j'ai les deux, parce qu'au début j'ai reçu l'Ace. Et en fait, genre, je fais la vidéo, puis je dis mais il n'y a pas moi l'Ace !» Vous m'avez envoyé Lace et c'est l'Ace Pro qui va faire la review. On ah, excusez-nous, comment on s'est trompé, on vous renvoie une caméra. Donc j'ai Lace et l'Ace Pro. Et... Plutôt que le faire avec la Sony, qui est pas mal encore une fois, mais qui a des problèmes d'autofocus et qui n'a pas une stabilisation de ouf, ni la ligne d'horizon, je me suis dit autant prendre l'Insta qui a un meilleur capteur, qui garde l'horizon, qui a une meilleure stabilisation, et sur lequel je peux mettre un micro, mais il faudrait une cage. Donc j'ai acheté la cage en métal. Parce que moi, ça se trouve beaucoup plus facilement que chez vous. Je <laughs> suis beaucoup plus vite que vous. Hein. Euh, donc j'ai pris la cage en métal et donc du, au dessus... Faut que j'arrête de dire du coup. Au dessus, je peux mettre le micro euh, Sennheiser comme ça, et euh, pour faire mes vidéos, je pourrais faire avec cette caméra et le micro, ça permettrait d'avoir un écran. En fait, j'aurais pareil que la Sony, mais en mieux. Ce qui est assez étonnant. Et pareil, ça mériterait presque une vidéo Ace 360 Pro versus ZV1F, parce que qu'on euh, a l'impression que euh, l'Ace Pro, elle est vachement que pour le sport, mais avec son gros capteur et tout, pour quasiment le même prix que la Sony. Ça, c'est ça. Hein. Faites-moi, j'achète une caméra Sony, avec euh, votre argent et celui de Seb, bien évidemment. Euh, tu peux être sûr, quelques mois après, je reçois. J'achète un micro DJI. J'ai reçu les 4 micro larcs au voilà. Je voulais acheter d'autres trucs, je vais attendre un peu. <laughs> Il me les envoie gratuitement. Allez, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez cette petite vidéo qui n'aura pas duré énormément. Ah quand même, 25 minutes, c'est bien. Voilà, après, euh, je vais... soigner Mais ça, c'est deuxième jour, ça va mieux déjà. Antibiotiques hier matin. Euh, soir, là ce matin, après deux soirs, fait deux jours. Je crois que j'ai cinq jours d'antibiotiques. On va être pas mal. On va être pas mal. Il reviendra. Encore plus fort. Avec des yeux encore plus bleus. Peut-être bridé. On ne sait pas. Eh, je alors là, visa à bien. <laughs> eh, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. À mercredi, forcément, je vous kiffe. Bye bye.